et les victoires. Dernière étape de notre carrière. Allez, 40 km/h au troisième plot et on y va. Oh ben, on reprend un petit peu les bases, hein, les bases de la moto. C'est vrai qu'il y a quelques élèves qui sont, voilà, qui ont pas des difficultés, mais voilà, des appréhensions, on va dire. Donc on essaie de casser ces appréhensions et de passer un bon moment tous ensemble, de le remettre en confiance sur la moto. Le message de la journée, c'est partage, plaisir et passion. Moi, je leur enseigne à avoir un meilleur contrôle de leur moto. La position des pieds, des mains, le regard. Et puis après, les efforts qu'il y a à faire sur la moto, un peu sur le guidon, un peu sur le repose-pied, qui font que si demain il y a un obstacle à éviter, bah, ils pourront éviter avec plus d'aisance que s'ils n'étaient pas du tout préparés. Voilà. J'ai été appelé pour les seconder, pour apporter un discours concernant la sécurité routière à appliquer à la moto. Le comportement du motard, bon, ne pas se laisser emporter par sa moto, ni subir la route, c'est-à-dire que c'est lui qui doit rester maître à bord, évidemment. Et puis, bien connaître son environnement, c'est-à-dire savoir ce qu'il va rencontrer sur la route, quels sont les principaux cas d'accident, comment essayer de les éviter, avoir des notions sur les limites physiologiques et physiques du motard et également des autres usagers, parce que bon, c'est un partage de la route, un partage de l'espace. Non, elle est cherchée tout de suite la corde, donc elle élargit un petit peu. Mais sinon après, bon pilotage. On leur explique d'abord théoriquement la trésorerie de sécurité. Ensuite, on prend le groupe complet. Le motocycliste fait d'abord une vingtaine de kilomètres devant tout le monde pour bien montrer le pilotage de sécurité, le trajectoire de sécurité. Et ensuite, chacun son tour passe devant le gendarme. On fait à peu près 10 bons kilomètres. Et ensuite, on voit, on débriefe derrière, on arrête, on débriefe sur les petites erreurs qu'il y a. Et puis après, on change, on rock. Et puis après, voilà. C'était super, ouais, il nous a bien appris les trajectoires. Ouais, ça a été très agréable. Et d'avoir quelqu'un en plus qui gère comme ça, il était comme un ressort sur sa moto, là, c'était trop beau à voir. Ouais, c'était super. C'était vraiment très enrichissant. Ils nous ont emmenés rouler au sud d'Ajaccio, Albitreche, puis la Canale, etc. Des petites routes dans un état un petit peu discutable, mais ça roulait bien. En fait, le gendarme nous a montré les trajectoires de sécurité. Dans la foulée, on est passé l'un après l'autre, tous les quatre, devant pour qu'ils nous contrôlent et qu'ils nous valident. Et voilà, bonne ambiance, enfin, un groupe de motards, mais avec un gendarme devant, ça facilite bien le passage quand même. J'en rêvais. Non, j'en rêvais, je voulais la voir. Bravo. Mais bon, voilà. 17/20 au quiz. Bien, magnifique.